بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد و سنرى خلال هذه الحصة قصة مولاي إدريس الأول مولاي إدريس اول. مولاي إدريس ابن عبد الله بن حسن بن علي ديسوندون د علي اي دو fatima فاتمة لافي Du prophète est considéré comme le fondateur de la dynastie Edricide. Il parvint à échapper au massacre de la bataille de Fakh en 786, près de la Mecque, où le calife abbasside anéantit les partisans d'Ali. Il gagna l'Égypte, puis Trouva refuge au Maghreb, où elle fut finalement accueillie par la tribu berbère marocaine des Auraba, dont la capitale était Walili, sur l'emplacement de l'ancienne volubilis. Oriolée de son prestige de descendant du prophète Shérif, elle prêcha l'islam, puis reconnu par sa tribu comme son souverain et imam. Il parvint à créer un royaume dans le Rif et les plaines de la côte atlantique. Elle établit alors sa capitale à Medina Fès. Il mourut assassiné en 791 ou 792. Par un émissaire du calife abbasside Haroun al